Préparez un seau d'eau. Une fois vous collez les tomates, comme ça vous pouvez essuyer et essuyer les tomates, poser. Voilà, la colle, le mortier colle pour les tomates. Le mortier, les mélanger, tout ça là. Il faut pas trop garder trop longtemps normalement et il est bon jusqu'à 2 heures. Hein, pendant 2 heures. Après 2 heures, peut-être il est moins efficace, hein, il colle pas bien et. Il est un peu dur et alors il vaut mieux éviter d'en faire beaucoup. Il faut calculer son coût pour ne pas en train de faire de mortier. Pour ne pas gaspiller. Voilà. Moi je l'étale comme ça parce que bon je pense que il faut faire comme ça parce que si j'en mets que là-dessus ça va pas être bon. Alors avec un peu de mortier dessus comme ça va un peu se relever et je pourrais appuyer régler les tomates au sol. Je vais commencer à mettre celui-là. J'espère que je suis obligé d'en remettre parce que je trouve que j'ai pas assez de mortier
Il faut que ça soit à ras du sol, comme les optomètres.